Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Les enfants, il est très important que tous les jours, vous levez vos mains et vous demandez tout ce que vous avez besoin à Allah. Ça s'appelle de faire des du'as. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a demandé de l'adorer. Et parmi les meilleures choses, les plus belles choses par lesquelles on peut l'adorer, c'est de lui demander ce que l'on a besoin. Parce qu'Allah, azza wa jalla, il répond à tout ce que l'on demande et nous donne tout ce que l'on a besoin. Donc, retenez cela et toujours vous devez demander à Allah. Parce que celui qui ne demande pas à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah se met en colère contre lui. Donc c'est pour cela que si on ne demande pas à Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla se met en colère contre nous. Qui veut qu'Allah se met en colère contre lui? Personne. C'est pour cela que tous les jours, il faut que l'on demande ce qu'on a besoin à Allah. Et là, on a dit « Allahumma inni as'aluka hubbak ». On a demandé à Allah de nous aimer. Parce que le plus important, c'est qu'Allah nous aime. D'accord? Et c'est pour cela que nous, on aime Allah. Si je te dis « Hamza, pourquoi tu fais la prière ?» Tu me dis « Parce que j'aime Allah. J'espère son paradis et je crains son enfer. » D'accord, c'est ces trois choses. Pourquoi tu es musulman? Parce que tu aimes Allah, parce que tu crains son enfer et parce que tu espères son paradis. Pourquoi tu mets le hijab si tu es une fille? Parce que tu aimes Allah. Tu veux aller au paradis et tu ne veux pas aller en enfer. D'accord les enfants? C'est pour cela qu'il est marqué en haut de la page 16, j'aime Allah le Tout-Puissant. On aime Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on aime Allah, azza wa jal, plus que tout au monde. On préfère qui? Allah ou nos copains? Allah. Allah ou nos copines? Allah. Allah ou nos frères et sœurs? Allah. Allah ou nos cousins et nos cousines? Allah. Allah ou nos parents? Allah. Eh oui, on préfère Allah que nos parents. Allah ou nous-mêmes? Allah. On préfère Allah que nous-mêmes. Allah ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah Azza wa Jal. On aime Allah Azza wa Jal plus que tout. Après avoir aimé Allah, celui qui aime Allah, automatiquement il va aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui n'aime pas Allah. D'accord? Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Wallahu yuhibbul muhsinin. Répétez, Wallahu. يحبو المحسنين. Et ce verset, والله يحب المحسنين, il est dans quelle sourate? Allah Azza wa Jalla dit cela dans celle qui est juste après le Baqara. Très très bien, mashallah, très très bien, Imran.
Imran, il a trouvé la sourate Ali Imran. La sourate, elle s'appelle Ali Imran, la famille de Imran. C'était qui Imran? Hamza? Non. Imran, ce n'était pas un prophète. Mais c'était le grand-père d'un prophète. Ah! C'était le grand-père de quel prophète? Oui, Imran? Non, Abu Bakr, ce n'est pas un prophète. Non. Oui? Non, le grand-père de Mohammed, il s'appelait Abdul Muttalib. Oui? Non, le grand-père de Youssouf, alayhi salam, il s'appelait Yaqub. Yaqub? Oui. Il s'appelait Ishaq, pardon. Yaqub, c'était son père. Non, ce n'était pas le grand-père d'Ibrahim. Zahra? Le grand-père de Moïse? De Moussa? Non. Non, de Ayoub? Non. Alors, quand on ne sait pas, dans la religion, quand on ne sait pas, on dit la Adri. La Adri, c'est-à-dire je ne sais pas, d'accord? C'était le grand-père de Isa. Alayhi salam. Imran, c'était le grand-père de Isa. Et c'était un homme très gentil. Et Imran, il a eu une fille qui s'appelait comment? La maman de Isa? Elle s'appelait, oui? Non. Elle s'appelait Mariam. Elle s'appelait Mariam. Répétez Mariam. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate, il dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah azza wa jal aime les bienfaisants. Allah il aime ceux qui font du bien. Et juste avant ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala il dit Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah azza wa jal nous parle de ceux qui dépensent de leur argent. Ceux qui dépensent de leur argent, qui dépensent des bonnes choses, quand ils sont bien et quand ils sont pauvres, quand ils sont riches et quand ils sont pauvres. C'est-à-dire celui qui dépense tout le temps. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai demandé de dessiner quoi? En début de cours. Tout au bout, à la première page. Très bien, vous avez vu à la page numéro 8, on a dessiné quoi? On a dessiné... Le monsieur qui donne de l'argent. Très bien, le monsieur qui donne de l'argent aux pauvres. Et nous, les musulmans, on donne de l'argent aux pauvres quand on en a et quand on n'en a pas. Tout ce que tu peux, tu le donnes. Il ne faut pas dire, j'attends d'être riche pour donner aux pauvres. Non, même si tu donnes 1 euro, même si tu donnes 10 centimes, même si tu donnes un petit peu de ton goûter à quelqu'un qui n'en a pas, et bien tu seras récompensé auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si tu donnes toujours, tu partages, quand quelqu'un a besoin, tu lui donnes, quand quelqu'un a froid, tu lui donnes des habits, quand quelqu'un a besoin d'un goûter alors qu'il n'y en a pas, tu partages, tu lui donnes, tu donnes de l'argent aux pauvres. Et si tu fais tout cela pour qu'Allah, il est content de toi, et bien sache qu'Allah, il va t'aimer. Merci. Sache qu'Allah, azza wa jalla, il va t'aimer. Et tu feras partie des muhsinoun. Oui. Je suis sortie et il y avait un pauvre qui a demandé à ma mère de l'argent. Mon frère, il a donné de l'argent. C'est bien, c'est pour ça que les musulmans, ils dépensent. Et quand on dépense, c'est pas que de l'argent, comme on a dit. C'est de la nourriture, des boissons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ». Répétez. « Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ». Alors, le prophète s'est dit, craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date. C'est-à-dire que peut-être que tu vas donner la moitié d'une date. Est-ce que c'est beaucoup la moitié d'une date? Non. Et peut-être que si tu donnes ça à un pauvre, eh ben, tu pourras, Allah Azza wa Jalla va te mettre au paradis et tu ne seras pas en enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla donne une autre caractéristique de ces gens. Allah, tabaraka wa ta'ala, il donne une autre caractéristique des gens qu'il aime. Il dit, « Wal-kadhimin al-ghayz » Ceux qui dominent leur rage. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent s'énerver, mais ils ne s'énervent pas. Et bien ces gens-là, qui ne se mettent pas en colère, Allah Azza wa Jal va les aimer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Laysa ar-rajulu bis-sur'a » Le vrai homme, c'est qui le vrai homme?
c'est pas celui qui met son ennemi par terre. Le plus fort, c'est qui? C'est pas celui qui, c'est pas celui qui bat tout le monde. Non. Mais le plus fort, c'est qui? C'est celui qui contrôle sa colère, qui se contrôle, qui contrôle son âme, qui y arrive à se contrôler, alors qui peut se mettre en colère. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il n'aime pas ceux qui se mettent en colère. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, donne-moi un conseil, il lui a dit, la tardab. Répétez, la tardab. Ne te mets pas en colère. Il lui a dit ensuite, un autre conseil, la tardab. Ne te mets pas en colère. Un autre conseil, la tardab. Ne te mets pas en colère. Il lui a répété cela. Parce que celui qui se met en colère, c'est comme un fou. T'as vu quand t'es en colère, tu fais ça. Tu fais des têtes, on dirait que t'es un fou. Quelqu'un qui te regarde et qui te connaît pas, il dit, mais c'est quoi ce fou? Il fait tous des gestes comme ça. Donc, quand tu te mets en colère, on dirait que t'es un fou. Et après, quand tu te mets plus en colère, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, tu regrettes et t'es triste. Parce que t'as dit des mauvaises paroles, t'as dit des mauvaises choses, peut-être t'as cassé quelque chose, etc. Donc c'est pour ça, la colère, il n'y a que du mal. Il n'y a que du mal dans la colère. Donc, pour qu'Allah t'aime, on va suivre cette deuxième recommandation qui est le fait de contrôler sa colère. Si tu as envie de te mettre en colère, ne parle pas. Tu te tais. Tu ne dis rien. Ça, c'est la première des choses. Quand tu es prêt à te mettre en colère, dis rien. Parce que sinon, tout ce qui va sortir sera des mauvaises choses. Si tu es encore en colère, assieds-toi. Allonge-toi. Fais tes ablutions. Parce que la colère, c'est comme du feu. Tu dois l'éteindre avec l'eau. Fais tes ablutions. D'accord? Parce que le musulman ne se met pas en colère. Parce qu'il n'y a que du mal dans la colère. Et ensuite, la troisième caractéristique. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit que ces gens-là, donc les gens qui font le bien, les bienfaisants, ceux qu'Allah il aime, c'est des gens qui pardonnent aux gens. Et nous, on doit avoir un cœur sain, on doit avoir un cœur pur. On ne doit pas en vouloir aux gens, être rancunier. Même si quelqu'un un jour, il t'a fait du mal ou il s'est moqué de toi ou pas, tu ne dois pas en vouloir à elle, je l'aime pas, ou lui, je l'aime pas, parce qu'un jour, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Même si les gens, ils nous font du mal, nous, on pardonne. On pardonne aux gens. D'accord? On n'est pas rancunier. Vous savez ce que ça veut dire, rancunier? C'est-à-dire que tu gardes toujours, peut-être quelqu'un, l'année dernière, il t'avait fait du mal, et toi, tu lui en veux toujours. Non. Le musulman, il pardonne. Il pardonne aux gens. C'est pour cela qu'il y a un homme qui rentre au paradis, parce que tous les soirs avant de se coucher, tous les soirs avant de dormir, il pardonnait à tous ceux qui lui ont fait du mal. Donc à eux, Allah Azza wa Jalla leur a dit Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah Azza wa Jalla aime les bienfaisants. Répétez Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. والله يحب المحسنين.